le monde, c'est Loulou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti! Ouais mais tu sors plus de vidéos. Non mais vas-y, je vais me désabonner. Les gars, il s'est passé bien trop de choses pendant au moins quelques semaines, je pouvais pas tourner de vidéos, ok? Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas très gai à entendre, j'avoue. Oui, j'avoue, c'est pas très bien entendre, mais on a l'habitude. Du coup, on va parler de la dépression. La dépression, c'est quoi? La dépression, c'est quelque chose en toi, un truc qui te fait mal, par exemple de la jalousie, tes parents sont morts ou un truc comme ça, et tu sais pas le vivre. Du harcèlement, ça c'est la pire des choses. Le harcèlement et tu le dis à personne. Je vais vous parler de ça après, mais la dépression, c'est qu'un truc en toi que tu sais pas vraiment vivre, quoi. Tu sais pas vivre. Et du coup, tu bois du noir et tout. Moi, j'ai beaucoup de personnes dépressives autour de moi, donc je sais vraiment de quoi se parle. Attends, j'arrive. La dépression, c'est mauvais! Voilà, c'était juste pour. Voilà. Du coup, la dépression, c'est quelque chose que tu sais très, très, très mal vivre. Et il y a peut-être un petit effet secondaire, si on dit comme ça, c'est la... L'effet secondaire, c'est la mutilation. Il y a des personnes qui ne tombent pas dans la mutilation, mais il y a des personnes qui y tombent. C'est quoi la mutilation? C'est quand... ton cerveau, ton cœur a mal, mais que tu te résignes sur te faire mal à ton corps. En gros, c'est par exemple quand tu prends un couteau et... Il y a beaucoup ça, il y a beaucoup... Même dans les gâches à live, il y a eu... Par exemple, quand tu regardes des gâches à live, je sais pas si vous connaissez des gâches à live, c'est un petit truc, je vous expliquerai dans une autre vidéo, pas celle-là. Doudou! Il y a beaucoup d'histoires du harcèlement, après on se mutile, mais faut surtout pas tomber dans ça. En fait, je comprends même pas quoi. Pourquoi? Parce que ton cœur souffre. Mais alors pourquoi tu te résignes à te faire des coups sur ton corps? C'est juste un truc qui n'a rien à voir. Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais moi c'est mon avis, ça ne sert à rien. Aussi, il y a aussi... Par exemple, pourquoi on est tombé dans la dépression? Il y a quelques trucs, mais les plus revenus. Le troisième truc, c'est par exemple que tu t'es fait remplacer. Ça, il y a beaucoup de aussi. C'est par exemple quand tu prends la vie, quoi. C'est un peu dur à expliquer, mais c'est par exemple tu fais une amie dans ton groupe. Et après, t'as de la discrimination, donc tes amis ne veulent plus de toi, ta famille non plus, ni rien, t'es seule, et tu décides de... Quoi? Il y a du coup des trucs comme ça. Deuxième, c'est quand un proche est mort et que là, il était vraiment proche de toi. Ça arrive souvent aussi, bien plus selon qu'on le croit. Un proche est mort et tu sais vraiment pas le vivre et... Je dis ça de manière marrante, mais si vous expliquez vraiment d'un air triste et tous les détails, vous serez en larmes à la fin de cette vidéo. Et je veux pas que mes abonnés soient en live, en larmes. Du coup, je préfère pas le faire. Aussi, il y a aussi un truc, mais qui arrive bien trop souvent, c'est le harcèlement. Le harcèlement, c'est quand des personnes, au-delà des mots, ça veut dire... critique, qui dit que t'es moche, que tu sers à rien dans le monde et tout, ça fait déjà mal. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que les mots, il y a aussi la baston. La baston, c'est quand des personnes te frappent et tout, et ils disent que tu peux pas le dire, sinon ils tueront pour une fois pour de bon. Toi, tu le dis pas. T'en peux plus, mais t'as pas envie de mourir. Du coup, tu le dis pas, mais t'en peux plus de ces coups et tout. Il y a beaucoup de trucs comme ça et tout, le harcèlement. Faut pas faire ça, les gars. Ça sert à quoi? Au pire, penser qu'il est moche dans la tête, même si c'est pas sympa,
Mais à la fin, il va se suicider et ce sera de votre faute. Vous trouvez ça normal? Ah non. En plus, tu te rends... Comment les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont des blessures jusqu'au bras? Comment? Hein? Du coup, on va revenir au sujet. Du coup, il y a beaucoup de trucs comme ça et... Ça finit par la dépression. Faut surtout pas se mutiler, du coup. Il y a une chanson qui est sur ça. Je vais pas vous la chanter, mais c'est Nekbor. Je sais plus comment ça s'écrit, mais en fait, vous tapez ta meilleure amie manga. Et là, vous aurez une chanson. La miniature, c'est une fille avec une jupe rouge, normalement, je crois. Et là, ça parle de la mutilation et tout. Mais en tout cas, faut surtout pas faire ça parce que ça sert à rien. La dépression, ben, le pire, c'est que, par exemple, t'étais dépressive, qu'il y a un mec qui vole pas de toi et tout. Si à un moment, il tombe amoureux de toi et vous êtes ensemble, souvent la dépression, ben, elle reste. Même si vous avez la chose que vous vouliez, la dépression reste et ça, tu te rends même pas compte de ce que t'as, que t'as eu en fin de compte, ton combat pour pas te suicider, mais... Par exemple, pour moi, j'ai un proche, un très bon proche, qui se mutilait. Du coup, moi et des potes, on l'empêchait et tout. Et il se mutilait mais vraiment fort. Je dis pas qu'il faut faire, non, surtout pas. Je veux pas qu'un de mes abonnés se mutile, ni rien. Mais je veux dire, on l'empêchait quoi. À un moment, on a été dire à la prof. Et la prof lui a parlé calmement, comme une amie. Et elle a arrêté de se mutiler. Donc, la mutilation, le harcèlement et tout, faut vraiment parler. Tout ce que vous avez dans le cœur, les amis, faut en parler. Que ce soit à moi, sur un truc Discord. Discord, une application. Voilà, que ce soit à des amis, à des proches ou des gens que vous connaissez pas, que vous criez dans la rue pour vous soulager, dites-le. Parce que ce qui reste au fond de vous, restera au fond de vous. À un moment, vous en aurez tellement marre de garder cette chose dans votre cœur, dans votre âme, qu'à un moment, il y en aura trop. Il y aura trop de choses dans votre cœur, dans votre corps, qu'il faut un jour que ça explose. Et si ça explose pas... vous essayerez de la manière forte de la faire expulser. Ça va surtout mutilation. Mais ça peut conduire au suicide. C'est un cas très sérieux. J'espère que vous ne vous avez pas trop fait de la peine et tout. Faut surtout pas rentrer dans ces choses. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Et puis, voilà. Désolée si j'avais pas fait de vidéo depuis longtemps, mais... Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un sujet très... ouais, quoi. Bon, j'ai quelques petites annonces à faire. Si vous vous demandez pourquoi le défi que j'avais fait sur ma chaîne, enfin, que j'allais faire sur ma chaîne, n'a pas été réalisé, donc 30 abonnés le 29 mars. Je sais, on est au moins le 6 avril ou le 7. Il faut que je regarde. On est le 6. Mais à mon avis, quand cette vidéo sortira, on sera le 7. Mais en tout cas, vous vous demandez pourquoi on n'y a pas encore le défi. Ben, parce que j'avais 30 abonnés, du coup je me dis, je vais faire le défi. Mais le 29, il y a quelqu'un qui s'est déjà abonné, je sais pas qui. Ben, c'est sympa, hein. C'est cool. Évidemment, il y avait une qui m'a essayé de me faire chier en s'abonnant, mais il y en a un qui s'est désabonné. Du coup, le 29, il y avait que 29 abonnés. Du coup, bah, pas de défi. Eh, j'en ferai d'autres, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, celui-ci ne sera pas fait. Après, je vous fais une petite affiche. J'ai pas trop le temps de vous la montrer trop. Du coup, je vais la mettre, vous mettez pause sur la vidéo. Et vous regardez tout ce qui est inscrit. Je vous laisse regarder. C'est bon, vous avez qu'à mettre pause parce que j'ai pas trop le temps. Et c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo est très importante.
Et ne vous mutilez pas, et ne suicidez pas, et n'harcelez pas, et essayez de pas tomber dans la dépression. Et si vous tombez dans la dépression, vous êtes toujours les plus forts et n'abandonnez pas. Et une dernière chose,